à ma droite, le dernier directeur de cabinet du même maire, M. Pablaté Ndiaye. À ma gauche, Ousmane Diop, qui est un conseiller spécial au maire de la ville d'Alessela, et Pam Ndiaye, responsable départemental de l'Alliance Djefdjel. Et par ailleurs aussi, membre du cabinet de l'ancien maire de la ville de Thiès, Talesela. Nous sommes là aujourd'hui, non pas pour répondre au maire Babacar Diop, mais pour apporter des clarifications. Après sa sortie malencontreuse et haineuse envers l'ancien maire de la ville d'Alessandra. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Diop reproche en réalité au maire Talesila des malversations dans sa gestion. Mais je rappelle aux populations sénégalaises et thiessoises qu'en 2014, le maire de la ville, deux jours après son installation, est allé à l'OFNAC. L'OFNAC n'était pas encore prête pour faire sa déclaration de patrimoine. Cette déclaration, c'était patrimoine zéro, patrimoine néant. En 2022, deux jours après sa sortie de la mairie de la ville, et l'installation du nouveau maire, il est allé retourner à l'OFNAC pour refaire la même déclaration de patrimoine néant. Monsieur Babacar Diop, Tchakas, nous a servi hier un discours ou une conférence de presse politique. Nous allons apporter point par point des clarifications à toutes ces déclarations et à toutes ces accusations. Parlant de diagnostic général, vous n'êtes pas sans savoir que la collectivité territoriale étant un démembrement de l'État, il y a des structures habilitées, compétentes, que sont l'IGE, l'OFNAC, l'ARMP et la Cour des comptes, qui sont les seules structures habilitées et compétentes à auditer une collectivité territoriale. À défaut, le ministère peut envoyer un audit et généralement ça s'arrête au personnel des collectivités territoriales. Qu'est-ce que Babacar Diop a fait? Babacar Diop, dès son installation, a amené son propre frère, de même père, dont je tairai le nom pour le moment, pour un soi-disant audit. Son cabinet se trouve au quartier 10e. Nous connaissons bien son cabinet. Y a-t-il eu appel d'offres pour cet audit? Ou ce qu'il appelle état des lieux? Est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que cette personne est assermentée ou bien son cabinet est assermenté pour un quelconque audit? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'auditeur est arrivé à la mairie? Il s'est heurté au refus de certaines directions. Pourquoi? Parce que dans ces directions, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des documents confidentiels qu'on ne peut remettre ni à un agent non assermenté, ni à quelqu'un qui n'est pas agent de la ville. Et même s'il est agent de la ville, il y a des conditions pour que quelqu'un reçoive des documents ou les transporte ou les exploite. Babacar Diop, nañu wax ndax lancé na appel d'offres, ndax respecté nos procédures bi
est-ce que koku mu fa yabal amone droit yabal ko fa mu ñew d'ailleurs il s'est mis à persécuter certains agents qu'il a trouvé sur place ñu jugé ci lool même dans le cadre d'un audit par les services compétents que j'ai énuméré tout à l'heure il y a ce qu'on appelle une contradiction un pré-rapport contradictoire il y a un pré-rapport qui vous est envoyé ensuite et on vous demande de répondre à certaines questions ou la cour des comptes c'est comme ça que ça se passe monsieur Babacar Diop a démarré cette une chasse aux sorcières il faut le dire nous ne savons pas les tenants et les aboutissants mais de toute façon cette personne s'est heurtée à certains agents de la ville qui lui ont signifié qu'il n'allait recevoir aucun document de leur part mais il a continué nous ne savons pas quels sont les rapports qui lui ont été remis par la même personne qui est son frère et ça les Sénégalais et les Thiessois doivent savoir qu'il y a délit d'initié dans ce cas de figure et conflit d'intérêt de la part du maire Babacar Diop. Nous voudrions qu'il nous élucide, qu'il éclaire la lanterne des Sénégalais sur celui ou le cabinet qui a réalisé l'audit. Dans son speech politique, il a parlé de personnel. Le personnel de la ville est de 116 agents, comme il l'a dit. 116 agents à la ville de Thiès. Là, on note même un manque d'ambition du maire Babacar Diop quand il fustige ce nombre d'agents, le jugeant trop élevé. Pour quelqu'un qui a des ambitions pour une ville comme Thiès, Babacar Diop devrait penser même à aller dans le sens de trouver, d'augmenter ses effectifs en fonction des besoins de la ville. Ce que le maire Talla Sylla a fait dès son arrivée en 2014, où on avait trouvé plus de 300 agents à la ville de Thiès. Nous lui avons laissé 116 agents. Et Babacar Diop ne peut pas nous dire ou nous montrer un seul contrat fictif. Tous ces agents sont physiquement présents, effectuent leur travail quand ils sont sollicités et chaque jour à 8 heures se trouvent dans l'enceinte de l'institution municipale à attendre qu'on leur donne des instructions pour le travail requis. C'est ça la réalité. Mais non content de ça, le maire Babacar Diop nous a parlé de dettes d'environ 783 642 francs qu'il aurait trouvé à la ville. Mais je rappelle aux Thiessois qu'à l'arrivée du maire de la ville, Talla Sylla, il y avait 1 milliard 300 millions de dettes. Nous en avons épongé au moins 600 millions. C'est ça qu'il devait dire. Le reste, la continuité de l'État requiert de la part des maires successifs de s'occuper de ça, à payer ceux à qui la ville doit de l'argent. C'est ça la vérité. C'est une continuité. Pour ce qui est des propriétés communales, il nous a parlé de marchés, de fournisseurs qui ont été payés sans effectuer le travail requis, etc.
un marché de mobilier, nous y reviendrons, et de matériel administratif, et un marché concernant un cimetière non encore clôturé. Je me suis rendu ce matin au cimetière de Balabé 2. Mais je tiens à rappeler d'abord que depuis le maire Ousmane Ngom, les Thiessois savent que tous les cimetières aujourd'hui à Thiès sont pleins. Depuis le maire Ousmane Ngom, aucun cimetière n'a été érigé, clôturé par l'institution municipale. On connaît à le Silla par rapport à sa gestion quand ça touche le foncier. Très tôt, il a dit que je suis musulman, mais il a pris sur lui l'engagement d'ériger deux cimetières. Ce n'est pas un seul. Le premier cimetière est un cimetière catholique qui a été érigé, clôturé par le même maire d'Al-Sila. Et les clés sont là. C'est après que le maire d'Al-Sila, au niveau de Balabé 2, en collaboration avec la commune Est, en son temps dirigée par le maire Pape Bassirou Diop, qu'ils ont décidé d'ériger un autre cimetière musulman. Il était question que la moitié soit à la charge du mur de clôture, soit à la charge de la commune Est, l'autre moitié à la commune, à la ville. Et si il a parlé de mur n'ayant pas de ciment, etc., je demande à la population de se rendre là-bas et de regarder, comparer les murs même réalisés par la ville et la commune Est. On verra. Et on évaluera. C'est ça la vérité. Parlant de contrat avec la Sonatel, la CBAO et EMG, ces contrats, nous les avons trouvés à la ville. Tous ces contrats sont des baux, contrats bail que l'ancien maire, le président Idrissa Seck, avait signé après une délibération qui est là, du conseil communal en date du 26 juin 2003, qui avait délibéré sur l'autorisation au maire, M. Idrissa Seck, de signer des contrats sous forme de bail avec Sonatel, CBAO et AMG. Le contrat avec la CBAO est là. Elle a dûment signé et daté. Donc, le maire Talsila a trouvé ses contrats ici. En 2003. Le même type de contrat a été reconduit pour ce qui est de la Sonatel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans des correspondances que le maire Talsila, après avoir constaté effectivement que ces structures ne payaient pas assez, le maire Talsila leur avait envoyé des correspondances. Ces correspondances, premier courrier de relance en octobre 2018, deuxième courrier de relance en septembre 2021 au directeur général de la CBAO et à Orange, Sonatel Orange. Dans ces correspondances, l'objet, il n'y avait qu'un seul objet, c'était proposition de réévaluation du prix du loyer / contrat de bail relatif au TF6000/TH6 à Randoulène Nord, entre ville de Thiès et ses structures. Donc, limi wax mom Babacar Diop,
ni mom mo ñew di xoguliko di tiakas tiakasi di xabar xabari taxaw ak caisse way ni mom mo ñew gis ni contrat yi dafa kiyul mom mo taxaw dafa bëgg caisse way dafa il fait dans du populisme tala sil moko jitu ci constat bobu ba envoyé won ay correspondance lan motax bobu ba légui lolou antoul parce que dañ ci djougué rek ñu dugg ci mbassmi le maire tala sil ni xex bi yépp nañ ko def ci mbassmi ñu dem ci wañu dara yi ñu dem ci jappelé nit ñi pendant 2 ans ñu nek ci lool c'était en réalité ça. Donc, ce n'est pas Babacar Diop qui est à l'origine de cette constatation. Le maire Tall Sylla qui a constaté pour la première fois que ces structures devaient payer plus pour les Thiessois. Mais parlant de la Sonatel, je vais un peu m'y apesantir. Le docteur Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, oublie ou bien doit savoir. Et les populations doivent savoir qu'ils réclament, s'ils réclament des millions à la Sonatel ou à la CBAO, parlant de la Sonatel, le centre gériatrique, qui est un centre témoin en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, hautement équipé, avec du matériel haut de gamme, a été érigé par la même Sonatel, la fondation Sonatel à hauteur de 500 millions. Inauguré le 15 février avec le maire Tall Sylla et le maire Babacar Diop. Et c'est au cours de cette inauguration que lui-même avait déclaré que Tall Sylla, tu es blanc comme neige. C'est ça qu'il avait dit. Mieux. La même société Sonatel, par l'intermédiaire de sa fondation, a réhabilité le bâtiment, un bâtiment qui se trouve au lycée Malick Sy à hauteur de 200 millions équipés. La même Sonatel, à travers sa fondation, chaque année, donne 10 millions à la ville de Thiès en partenariat, lors 5 millions pour les journées médicales, 5 millions pour le festival. Tout juste envoyer ces huissier ou bien son avocat ou des correspondances pour régler ça. Est-ce qu'on a besoin pour ces contrats-là de nous tympaniser et d'accuser quelqu'un qui n'en est pour rien, de salir son honorabilité? Il a continué. Pour EMG, c'est la même chose. Le maire avait saisi EMG parce que on a trouvé que c'est une entreprise peut-être qui ne payait pas. Le maire, dans les mêmes correspondances, avait demandé à revoir ça. 2018, relance en 2021. Ensuite, il y a eu le Covid entre 2019, 2020, 2021. C'était tout juste ça. Et les contrats n'avaient pas été signés par le maire Tall Sylla, mais le président, le maire, l'ancien maire Idrissa Seck. Pour l'acquisition de mobilier, j'avais dit que j'y reviendrai, et matériel administratif. Gis nga deug dafa neexul. Tall Sylla dafa am keur gu muy duggal ay mobilier. Tall Sylla dafa am. Tall Sylla souf bammel la ci am, te kuko bëgg xam, da ngay dem ba jëlëru. C'est quelqu'un qui pense tellement à la mort que depuis plus de 15 ans, combien de fois je suis allé avec lui sur son tombeau vide? Je l'ai taquiné chaque fois en lui disant qu'un jour, tu rempliras ce trou-là. Mounima, j'attends ce jour avec patience. C'est à Djelé-Loussila, à Louga, à la région de Louga. Son tombeau est déjà préparé depuis plus de 15 ans. Pour l'anecdote même, un jour il me dit, si je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la
wone ma fa dog ma indi denca mané ko est ce que ma lay ñëk dé mënuma si parce que man à 82 ans je vais quitter ce monde kuy ko xalat lool kuy xalat ay neew ñaari sima ci nga defal ko ay nit xalato kenn musul gis tala ci la ñu ni le fi moy kërëm amul ta du ma sa am c'est son choix nous le respectons bien que ñun ñi ça aurait été de notre seule volonté il aurait une maison comme tout le monde mais il n'en a pas c'est son choix et les choix on les respecte et les goûts on les respecte c'est ça la vérité l'acquisition de mobilier dont il parle à hauteur de 19 millions tout le monde sait que la ville est en réhabilitation grâce au fonds Pakassen d'ailleurs c'est ce même fonds Pakassen qui va paver la ville. Ce n'est pas un projet du maire Babacar Diop. Ça se trouve dans le PTI, le programme triennal d'investissement, qui se trouve dans le programme de développement de la ville PDV, créé par Thales Sylla depuis 2019. Donc, c'est des fonds du Pakassen, ce n'est pas un projet. Tous les documents y afférents ont été signés et par Thales Sylla, le maire Thales Sylla. Mais comme il y a continuité de l'État, c'est la continuité de l'État. Donc, pour ce mobilier, lorsque qu'on lui a amené du mobilier, on lui a dit que c'était du mobilier venant de l'extérieur, importé. Il a refusé catégoriquement. Et il a demandé à ce que non, le tour de ce mobilier, de trouver du local, non seulement pour aider nos artisans qui sont très fatigués et qui n'ont généralement pas de marché par rapport à ça, mais surtout, il avait demandé à ce que ce mobilier, comme la ville est en réhabilitation, qu'on attende jusqu'à la fin des travaux, jusqu'à la fin des travaux, pour pouvoir amener, comme ça, ça fera du neuf. C'est toujours ça. Donc, il n'y a pas à s'alarmer. Pour ce qui est de procédure de passation de marché, tout a été respecté. Tout a été respecté. L'immatériel n'a pas été livré. Livré à qui? Le matériel est venu, mais jusqu'à présent, le maire avait demandé à ce que ça soit du matériel de fabrication locale. Donc, même si le fournisseur détient du matériel quelque part, il ne peut pas l'amener si ce n'est pas du matériel de fabrication locale. Et on avait tablé sur le fait que, après la construction, la réhabilitation, le matériel allait venir, donc, et tout juste pour qu'on puisse qu'il ait les bureaux. Alors, tout le monde sait que Thales Sylla, pendant presque combien d'années, il n'a pas eu de bureau. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui ai enlevé son bureau de fabrication extérieure, importé. Il m'a demandé, lorsque ce bureau a été amorti, le marché a été amorti, il m'a demandé, à la veille d'une de ses visites à l'extérieur, il m'avait demandé de lui enlever ça, puisque c'était déjà amorti, et qu'on lui trouve du matériel local. Nous avons jeté en son temps, son directeur de cabinet, et avec l'actuel secrétaire général, nous avons fait des pieds et des mains pour avoir du matériel local. Nous n'en avions pas. Et il a continué comme ça, sur sa natte, tranquillement, à s'occuper des caissois. Pas. Mais le problème, c'est que il y a quand même, le maire Thales Sylla a envoyé une correspondance en 2018, un premier courrier en 2018 pour y réhabiliter. Nous savons quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à la ville? Pendant presque ces 4 ans, nous n'avions pas de budget, nous n'avions rien. Nous n'avions même pas la possibilité de recouvrer. Et pourtant, le recouvrement n'incombe pas à la ville, à une commune. Le recouvrement incombe aux structures étatiques, c'est-à-dire à la perception municipale, qui en définit les contours, qui crée la commission, la mairie amène ses agents et les impôts et domaines
aussi amène. C'est une commission paritaire. Le recouvrement n'est pas sous le contrôle de la ville ou la compétence de la ville, mais sous, ça se fait par la recette perception municipale. Ce sont des services compétents. Par rapport à la Sonatel, nous avons évalué. J'ai dit que nous sommes restés de 2014 parce que nous sommes arrivés en fin 2014. Donc 2015, 2016, 2017. On était sans budget, on était dans des combats, on était empêchés partout. On était bloqués. Parce que rappelez-vous, en son temps, le maire Tala Sylla était dans l'opposition. Le père Tala Sylla était dans l'opposition. Vous savez, ça dépend de l'opportunité et du jugement du maire, qui est compétent en la matière. De toute façon, Babacar Diop ne peut pas dire que c'est lui qui l'a initié. Les documents sont là, les références sont là. Le maire Tala Sylla l'avait fait. Un point, c'est tout. Maintenant, pourtant, bien qu'il l'ait fait, mais il n'y a pas eu de suite puisque la pandémie est arrivée. Mais nous ne pouvons pas préjuger de ce que le maire doit faire à temps T ou à temps T2 ou à temps T0. Donc c'est à lui de juger le moment opportun pour essayer de renouveler, d'envoyer des correspondants ou de renouveler ou de réaliser. Ouais. Le maire a fait 14 fois la prison. Il est prêt. Le maire Tala Sylla a fait 14 fois la prison. Étant très jeune. 14 fois la prison. On attend Babacar Diop. Pour ce qui est du carburant, pour ce qui est du carburant, moi je n'entre pas dans des chiffres. Mais je vais vous dire une chose. Pour ce qui est du carburant, le carburant est à la discrétion à la discrétion du maire et du receveur percepteur municipal. Il est voté dans le budget. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Tala Sylla est le seul maire qui donnait du carburant au président de commission. Attention. Avant d'en parler, il faut faire attention. Allez demander au président de commission. Il y a au moins 21 commissions à la ville de Thiès. D'ailleurs, nous demandons à Babacar Diop pourquoi, depuis son installation, aucune commission n'a été mise en place. Et c'est prévu par la loi. Aucune commission n'a été mise en place. Je rappelle que le maire, Tala Sylla, donnait du carburant même au président de commission. Avant d'en parler, il faut faire très attention. Mais lui, s'il est interpellé, il est interpellé par qui? Par Babacar Diop. À partir de quoi? De quel renseignement? Et de quel audit? Il a bien précisé les 10 derniers mois de 2021. C'est, il a bien précisé. On l'attend de pied ferme. Il n'a qu'à sortir les preuves. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. C'est-à-dire, ce problème nous concerne. Vous savez ce qui nous concerne? C'est éclairer la lanterne des Thiessois. Nous ne répondons pas à Babacar Diop. Babacar, tu veux me faire glisser sur le terrain politique? On y viendra un peu. J'en parle, mais je vais pas accepter de politiser l'affaire. Non, je ne vais pas accepter de politiser ça. De politiser ma réponse pour le moment. Je réponds point par point sur ce qu'il a dit. Ensuite, on verra. Je rappelle, ensuite, il a parlé de gestion, transparence, gestion. Allez dans son bureau. Babacar Diop, il y a 3 trophées du PEL, prix d'excellence leadership local. Pendant 3 ans, le maire Tala Sylla, la ville de Thiès, a gagné ce prix sur la transparence et la reddition des comptes. Tout le monde est là. Les trophées se trouvent dans son bureau. Dès les 100 premiers jours de son magistère, il a organisé la première audience publique. 15 audiences publiques en 7 ans, 7 mois. Pour rendre compte. Pourtant, les gens qui parlent ici, dans cette ville, étaient là à Thiès. Pourquoi ils n'étaient pas venus? On débattait de ces questions dans les audiences publiques. Pourquoi ces gens-là ne venaient pas aux audiences publiques pour soulever ces problèmes-là? C'est aujourd'hui. Parce que Diane Rom ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre. C'est ce que je fais. Damani, Babacar Diop
na wax commission yi lutax teguko commission yi nek mairie ma wax ni ay affaireu carburant dama ni talisila est le seul maire bo xamni carburant à part ñi nga xamanteni corbillard bi nga xamanteni carburant ken daw ko fay à part lolu ak auto yi nek mairie ak auto bi nga xamanteni ñom ñoo nekkon voirie à part lolu je dis bien day don jox carburant les présidents de commission si le maire talisila doit répondre il ne répondra pas il ne répondra que si il ne répondra que s'il est interpellé par des structures telles que l'IGE, l'OFNAC, l'ARMP et la Cour des comptes. Mais ay ben way rakou jambour bu djougué fé hein koku du taxa wax talisila ku xam talisila xamni ku ko kenn duko jam nan lolou la bëgg mu leer banen bi dina rappeler à Babacar Diop et au Thiesswa yi ko xamul ni le maire talisila a été audité en 2015 par l'IGE en 2014 à son arrivée par l'IGE en 2015 à son arrivée par l'IGE ensuite deux mois avant les locales l'ARMP et la Cour des comptes ont fait 15 jours ici deux mois avant les locales en novembre elles l'ont félicité xam nga ñun dañuy wax ni tala bu waxé ni il y avait des emplois fictifs à son arrivée lay wax on ne veut pas revenir sur cette gestion non on va pas se projeter en 2014 li ñu wax dal moy 116 agents pour la ville de Thiès maire bu ambitieux dang koy yok c'est acceptable largement acceptable maire bu ambitieux dang koy yok waye di ratatati ci digg nit ñi xalé bu ndaw duggagul fenn rew xamadi buñu ko jaayé ñu jënd ko Talisila est un conseiller spécial du président Macky Sall Talisila a été le mandataire avec Farbangom dans toute la diaspora d'ailleurs ce voyage là entrer dans pour compléter le premier qu'il avait effectué donc compléter ces tournées là donc il était en Europe pour compléter avec monsieur Farba Ngom et normalement je pense que dans quelques jours vous le verrez.